Haïti, c'est au lolo, contrôle les Kouniara et entre gouvernement, apparemment gouvernement, communauté internationale et opposition. Opposition, l'opposition, quand c'est cassé, cassé en plusieurs morceaux. Et n'a pas pour ça que l'opposition casse en plusieurs morceaux, même si l'opposition a le même objectif, mais elle casse en plusieurs morceaux parce que fin objectif là, elle tout pareil le même gens, parce que sont chaque blé que c'est eux-mêmes qui vont jouer un bénéfice de ça capable de passer. Là. Et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé pendant une conférence qu'il a gagné avec les pays d'Amérique latine et américains. Maintenant, dans la conférence, ça, c'est une visioconférence, et bien, il lance un appel pour demander à tous les leaders dans l'Amérique pour te coller avec les États-Unis, faire voir tout le monde seul pour demander à Haïti pour faire élection dans l'année ça. Donc, d'ici fin année, pour faire élection d'ici fin année. Est-ce que c'est nouveau? Bon, peut-être sont les nouveaux en ce sens que c'est de jour en jour voir les États-Unis appeler, voir pour demander et pour demander pour gagner l'élection en Haïti, surtout pour renouveler personnel politique là. Mais c'est même pas que le gouvernement lui-même tout lui dit, le gouvernement tout lui-même lui dit que l'année 2021, son année électorale que lié, son année pour renouveler personnel politique là, c'est une année pour passer pouvoir par un gouvernement et par un président élu 7 février 2022. Parallèlement avec l'élection, on a fait référendum tout, que le gouvernement tout l'a poussé là-dedans, et je dis à l'abgadé de tout mon gouvernement, il n'y a pas d'une seule voix, que le référendum non, sont question de sous, sont question souverain, et qu'il n'y a pas besoin à payer étranger pour venir dire ça pour le faire, parce que ça, c'est pas eux, c'est pas ici pour décider, et même, il y a parlé d'un référendum non, tête droite. La communauté internationale, lui-même, tout, il n'a pas parlé de référendum. Et ça, il parlait d'élection pour gagner un pays pour remplacer et renouveler le personnel politique là. Alors, ça qui vient entre temps, pendant tout le bail, ça y est, opposition, que ce soit ces Diopod, que ce soit ces groupes des cinq, qui récemment mettaient dehors une pétition, mettaient dehors un document pour parler de crise à besoin de résoudre, et que ce soit tous ces groupes qui ont comme porte-parole, mettons des Michel, c'est ça, les secteurs démocratiques et populaires, opposition, ils ont même tout, ils arrivent à un côté, ils ont tout, le même objectif, c'est, ils ont tout demandé, pays n'a pas qu'à gagner l'élection dans le pays. Par rapport avec ça que le secrétaire d'État américain appelle que lancé, ben, il y a un secteur démocratique et populaire qui écrit le secrétaire d'État américain une lettre, et dans la lettre, il veut expliquer la situation, mais une situation liée à partir de toute considération, ça y est, conditions n'ont pas réuni pour gagner l'élection dans le pays. Ça, c'est une. Et il dit, deuxièmement, président Jovenel Moïse, c'est un obstacle pour gagner l'élection, parce qu'avec le président Jovenel Moïse, il ne peut pas faire l'élection avec elle. Parce que, il est associé là avec gang, il est associé dans le paquet de bas, donc pas qu'à gagner l'élection avec le président Jovenel Moïse, et que les conditions, en plus de ça, l'IPARUNI, il dit que, je souhaite que l'extérieur d'État américain a faut prendre ça, et position eux-mêmes, il parle dans l'élection avec le président Jovenel Moïse. En même temps, il y a un diriport, tout qui lui-même lui dit, il écrit l'OEA lui-même en l'autre bois. Et le diriport écrit dans l'OEA pour demander, pour dire l'OEA lui-même, il parle, puis il a fait n'importe peut-être faire une rencontre, mais pour pas participer dans un dialogue. Mais avec l'objectif final là, pour ta jeune départ, président Jovenel Moïse, et que le départ ordonné. Sur la fin de départ ordonné, le gouvernement répond. Premier ministre AIA, Dr. Claude Joseph, il dit oui, il est d'accord avec le principe de départ ordonné, président Jovenel Moïse. Mais qui vient lui-même, il explique le départ ordonné. Monsieur l'opposition, même lui dit si le président mettez clé en bas porte là, et puis allez, faire mal, allez, jetez-le. Mais pouvoir, il dit oui, nous d'accord avec le principe de pas ordonner. Et de pas ordonner, après, on lui dit que faire les élections, renouveler le personnel politique là, gagner un parlement, etc. Et les élections présidentielles, y compris référendum. Et puis le 7 février, le président Jovenel Moïse passe le pouvoir, par un président élu. Il dit ça, c'est un départ ordonné. Et il veut dire ça, il dit. Il voulait dire, départ ordonné, il voulait dire exactement ça, l'expliquer, mais qui a même expliqué. C'est pas comme ça, l'opposition a expliqué, le départ ordonné pas là. C'est ça, on ne peut pas dire au matin, on y paraît, et puis je vais me lever là, aller.
non, c'est pour venir, pour l'expliquer, ok, je peux aller, mais les conditions, mais les étapes, ma bas démission telle l'heure, ma prenons mon premier ministre, ou bien même mon cap en place, moi, le Panama Aléa, et puis je peux aller, de telle ma fait bas démission, telle mon cap nommé comme premier ministre, ou bien cap nommé comme chef gouvernement, et puis je peux aller. Ça, proposition, c'est ça qui a même eu lieu, un départ ordonné. Donc, en tout temps, il y a un autre groupe, cinq monde parmi eux, ancien sénateur Steven Benoît, qui est dans le groupe ça. Et eux-mêmes, avec ton ancien député Pétionville, qui lui-même, ils ont signé un document, directeur de Dieu. Ils ont signé un document eux-mêmes, côté ils ont dit eux-mêmes, mais les étapes qui pour aller. Et qui pour aller et qui pour déboucher sous départ président Jovenel Moïse et que pour former un gouvernement, mais qui savent. Donc ça veut dire que là, nous regardons tout le monde, que ce soit ces oppositions et secteur démocratique et populaire, qui lui-même déjà désigné, depuis après 7 février, désigné M. Mécène Jean-Louis comme futur président pour remplacer Jovenel Moïse, même si on a mené. Et gagner l'autre monde tout qui dit que. Conditions et qui gagne là eux-mêmes y a pas dans logique mettre mécène là. Il y a pas dans logique mettre mécène là. Donc maintenant de Michel a supporté avec Cité démocratique là qui gagne l'autre groupe là dans l'y a supporté l'idée ça mais gagne l'autre groupe ça qui forme qui a écrit tout qui te négocie qui fait des négociations entre eux et au début son conclusion il écrit communauté internationale en particulier l'OEA l'ONU écrit yo pour dire mais eux-mêmes est sorti de crise là. Mais qui ont une sortie de crise là, et jusqu'à présent, pas une sortie. Mais le gouvernement, il me dit, c'est toujours un dialogue qui est toujours ouvert, un dialogue qui est là, il y a une négociation avec acteurs pour former le gouvernement. Pas oublier que le premier ministre, il a parlé de Dr. Claude Joseph, lui-même, il est là seulement pour 30 jours. À moins que le président Jovenel Moïse reconduise. Mais normalement, le mandat là, c'est 30 jours. Donc, il dit que il peut aller parce qu'il voulait que Gétan gagne et mise en place qu'il fait pour un gouvernement. N'importe qui voulait le gouvernement avec participation secteur et l'autre secteur pour former un gouvernement d'union nationale, un gouvernement avec participation inclusive, avec participation tout le monde. Donc, c'est là que question est surtout. À l'opposition des États-Unis, qu'on y a là, quatre mois pour l'élection. Pour l'élection déroulée dans la fin de l'année 2021. Et voilà que le secteur démocratique et populaire, là, qui est en tête, maintenant, Michel, qui est crise des Américains, même qui fait déclaration dans là, mais il dit que conditions pas réunies pour les élections, conditions terrain, même environnement, et deuxièmement, obstacle. Président Jovenel Moïse, c'est un obstacle pour que les élections. Il y a besoin d'une élection, mais pas dans condition ça, etc. Donc, même que vous soutenez là, et puis gagnez, et nous n'en verrons. Et puis, l'OEA a annoncé lui-même, et à fait, le gouvernement dit l'attendre, nous, commission, bien, une mission l'OEA, une délégation l'OEA qui peut venir chita avec acteurs concernés, très certainement pour parler de un dialogue. Qui était certainement pour déboucher, pour dans qui mesure capable au moins, et parler de crise ou bien encore résoudre crise que le pays a traversé. Pas grand qui changeait, jusqu'à présent, c'est n'a toujours à vivre en haut dans la même déclaration, mais le gouvernement, tout le temps, il continue à parler de référendum, qui déjà, d'investissement, déjà en cours. Et puis, il a préparé les élections et le gouvernement qu'on n'a pas eu d'une seule voix. C'est référendum. Ensuite, les élections. États-Unis, beaucoup de pas demandé à ce que gagne les élections pour faire un EA. Et puis, qu'on y a une opposition, on n'a pas surtout opposition démocratique là, on n'a pas le secteur démocratique et populaire, les mêmes dit pas une condition pour que gagne les élections dans le pays. Il y a un groupe de 5 ans lui-même qui fixé, qui dit que je n'entends pas mieux tout le docteur Reginald Boulostou qui est censé parler et je n'entends que même qui pour aboutir à un départ ordonné de président Jovenel Moïse et il t'a semblé même dans la position par rapport pour son départ ordonné avant 7 février qui était seulement par le gouvernement, n'importe qui qui voulait former le gouvernement ça. Qui pour nous aller dans une sorte de transition, il y a un bagage que pour remplacer ça, lui-même dit. Pas gain transition encore. Je voulais divorcer avec transition.
C'est la nuit sous dossier, sous dossier ça qui passe tellement, fait gros pas. Et puis, par exemple, le Premier ministre, il y a les solutions, par exemple, solution pour l'insécurité, et bien, il y a une solution nationale. C'est-à-dire que ce n'est pas étranger de venir pour venir dicter. Mais de temps en temps, nous, acteurs concernés, il y a fait appel à l'étranger. Il y a fait appel à l'étranger pour l'étranger, il y a une petite collée, il y a une idée, il y a une résoudre. Voilà. Et je veux dire, c'est 5 mai, 5 de mayo, c'est fête indépendance Mexique. Et on a bon petit sport. Bon petit sport. Et bien, et pour l'espoir, là, alors pour l'espoir, je suis fanatique football, yo, Manchester City, je ne t'ai pas parlé de Réan, je dis que, au pas de connaît, et bien Manchester City qualifié pour finale Ligue Champion Européen, après, yo calé. Et PSG, donc Paris Saint-Germain, il a 2-0 la caille, sous propre terrain par eux, parce que c'est Manchester qui t'a accueilli. Donc il a calé parce qu'il a remporté match à 2-1, et bien remporté match 3, et la caille 2-0, donc Manchester City qualifié. Ça fait Pep Guardiola, entraîneur Manchester City, et bien, M. Guénon, tant de participer dans la finale d'une Coupe, et une Coupe Ligue Champion. Et ça fait combien de temps? Dernière fois que Pep Guardiola a participé dans la finale d'une Coupe des Champions, c'était en 2011. 10 ans. Nous imaginons. Donc, M. Osange là, qu'on y a là, mais on connaît Pep Guardiola, il n'est pas prêt à aller. Et il n'y a pas pris la victoire tout autant que la finale a pas joué et que pas eu remporté la finale. Non, peut-être l'autre nouvelle, nous avons tout portugais José Mourinho. Et bien, M. Cunha, c'est lui-même qui va entraîner le club italien AS Rome. C'est à partir de la saison prochaine. Il va entraîner le Cunha et quitter que l'entraîneur qu'il a actuellement. Il continue avec le programme, continue avec le championnat. Et même le championnat techniquement n'est pas fini, parce qu'il manque 4 jours pour le championnat fini. Nous avons le Inter de Milan qui remporte la série A, et avec quand c'est pour que le remporter, donc l'Inter de Milan remporte la série A, donc il n'est pas fini. Mais quand même, Inter de Milan remporte le championnat série A italien, donc José Mourinho, à partir du 6 prochain, il va prendre une équipe à Essonne. Que l'idée va laisser ouais dans qui mesure qu'à remonter équipe là et bas équipe là fait que là une tournée pour l'autre route et pas seulement dans le championnat italien mais tout dans l'autre championnat qui est sous continent européen en tant que Ligue Champion ou bien Europa League là mais il peut aller quand même mais au moins l'option un contrat initial un contrat 2 ans et tout dépend de qui en ça passé de capable peut-être je ne sais pas. L'autre nouvelle là, nous avons une nouvelle concernant d'Haïti. Nous avons que FIFA a fait une enquête d'étape menée sous dirigeant Fédération Football Haïtien. Enquête là, n'est pas campée, enquête là continue. Il y a mon docteur Yves Jean-Bac, qui est ancien président Fédération Football Haïtien, avec monsieur en bonne suspension à vie, vitam et tenam, pour ne pas impliquer du tout, même mon ballon, je ne vais pas me faire bien. Voir pour lui, tu n'as pas participé à l'activité. Même mon ballon, si on ballon qui est bien en mêle, c'est quelqu'un qui a l'idée de football dans le mêle, et bien, il y a l'autre bail qui a pas. Et bien, il y a des sanctions tombées sous tête, on l'autre monde, c'est Nela Joseph, lui-même, c'est lui qui était responsable, ou bien coordonnateur, mais superviseur, section féminine U21, et bien, pour même bagarre là, il y a une sanction contre lui, 10 ans suspension, lui-même, même bagarre la tour pour pas ni manger ballon ni shooter ballon ni kembe ballon en main pour pas même pas son côté qui ont teint football donc les parents doivent participer à aucune activité football pendant 10 ans et pour payer une amende $22,000 pour qui ça parce que les pas rempli mission pour te protéger mineurs qui étaient sous responsabilité ensemble avec l'autre joueur pendant période que en fait il était facile aussi de barrière était fermé JL son site d'activité qui t'a mené en dans centre FIFA Gol là dans quoi des bouquets et ben pas fait ça pour te faire pas protéger timé d'amio c'est des mineurs qui n'a fait sexe par ça. Donc, enquête là, il l'ouvre toujours et c'est le monde qui prend sanction toujours. Ça fait. Donc, lui-même, il prend sanction. Et le comité éthique FIFA dit lui-même il y a continué enquête là parce qu'il y a l'autre monde encore qui n'a pas quitté sur eux, il n'y a pas quitté sur eux jusqu'à ce que ils finissent avec le dossier ça. Et puis, sélection nationale
et football en salle haïtien, eh bien bon, monsieur de bon avec les 7-0 dans mes Costa Rica n'a pas réussi la compétition ça l'a déroulé et pour son CONCACAF l'a déroulé dans Guatemala. Eh bien, sélection de bon avec les 7-0 dans mes Costa Rica, mais il y a encore un 4-2 dans mes équipes et Canada. Alors, que sélection d'a mené 2-0 devant Canada, eh bien, dans l'espace de 8 minutes, Canada a marqué 4 goals et sélection perdue. Et perdue avec défaite avait dit qui ça? Elle avait dit que tout simplement que Haïti éliminé dans la compétition ça, qui c'est championnat de football en salle. Pour zone CONCACAF la cap déroulé dans Guatemala. Voilà. Et puis c'est peut-être ça me pond que une nouvelle là, c'est déclaration secrétaire d'État américain fait hier dans avec côté demandé tout leader pays en Amérique pour côté coller pour demander et gouvernement haïtien pour organiser l'élection pour aller 2021. Déclaration ça allait en sens contraire avec position secteur démocratique et populaire qui est en tête li et maître André Michel et consort. Monsieur t'a écrit secrétaire d'État américain même une lettre même pour te dire ou bien pour informer que condition nos pays a pas réuni pour que gagne élection dans pays a ça c'est au côté de toute condition parce que pas ta mener campagne gang pays a fini dans sériser tout côté passé c'est gang monde pas ta mener campagne électorale tout ça de condition pareil pour gagne élection. Et puis deuxième raison bah là dit que président Jovenel Moïse est un obstacle pour les élections. Entre-temps, gouvernement président Jovenel Moïse et consort tout il même il a poussé pour plus devant. Il n'y a pas avancé avec l'idée pour faire référendum non et les élections pour remplacer personnel politique là pour que le président Jovenel Moïse remette pouvoir et baille un président élu 7 février 2022. Son dossier n'a pas su passer n'importe moment, n'importe bail qui a passé. Et puis il y a 10 potes tout qui est qui l'aura. 10 potes c'est direction et 10 potes c'est direction politique de l'opposition démocratique. Direction politique de l'opposition. Voilà. Mais dis pas de même tout. Ils ont écrit l'OEA même tout pour manifester intention et pour participer dans un dialogue qui était certainement que l'OEA est capable de servir comme intermédiaire pour capable aider ou bien encore pour tes contributions pour expliquer et si solution visée d'abord résoudre qu'ils a mais tout ça que vous voulez tout là dans le tout, c'est départ président Jovenel Moïse. Départ président Jovenel pour eux-mêmes, pas 7 février 2022, mais son départ qui a de fait n'importe qui est, les toutes conditions réunies, mais il y a eux-mêmes, il y a un départ ordonné. C'est-à-dire que c'est 1, 2, 3, 4. Président Jovenel Moïse a dit, mais ça m'a fait, mais ça m'a fait, m'a nommé en remplaçant, m'a fait ça, m'a fait ça. Et puis, même, ou bien encore, il y a même tout, il y a nommé même un cap en place, ou même un cap en et puis il y a passé de tel de trois bails d'émission. Et tout est que mandat, président Jovenel, fini. D'après eux-mêmes, mandat fini, donc pas de la même bien qu'une démission.